Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre let's play sur Zelda Breath of the Wild, caleçon challenge Sardoche Edition, hein, du coup. Et bon, j'ai fait des plats. Voilà, je peux plus faire de plats en fait, pour être honnête. Je voulais en faire un autre et j'ai pas pu. Je voulais faire un autre remède. Alors sachant que qu'il y a eu un petit fail, donc le tout début d'épisode, je mets sur pause pour le temps de froid. Le tout début d'épisode, je connais pendant une minute à peu près. Mais juste, du coup, j'avais déjà fait des plats. D'ailleurs, je pense que je vais sauvegarder. Ouais. Ouais. Comme ça, au moins, voilà. C'est acté que j'ai fait ces plats. Et du coup, bon, j'avais fait des tests qui étaient pas très concluants. Mais voilà, au moins, j'ai fait des remèdes qui rentrent d'endurance sans mettre de cœur. J'ai mis des trucs avec des... Voilà, de l'endurance en plus, des cœurs en plus. Par contre, j'en avais pas fait plus que ça. Ah non. Bon. Voilà, bon. Il va falloir qu'on utilise un peu nos trucs. Mais là, on a l'antifroid et on va avoir besoin d'antifroid. Donc j'en ai fait. Voilà, j'ai des remèdes. Bon, c'est niveau 1, ça par contre, c'est nul. Mais les niveaux 1, on mettra l'épée de feu. Voilà. Bon. Théba. L'heure est enfin venue d'affronter Vamedo. Ouais, on dirait. Te dis pas lui envoyer des flèches normales, ça chatouillera même pas. Non, pour réduire ces maudits canons au silence, c'est des flèches explosives qu'il faut décocher. Tiens, prends ces flèches explosives. Donc voilà, il va nous en donner. Ah oui, j'en ai pas beaucoup, oui c'est vrai. Alors c'est juste pour cette fois. Mais puisque tu m'aides, c'est le moins que je puisse faire. Voilà, il m'en donne 20. Il m'en donne 20. On en avait 18. Hein. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Tu as terminé tes préparatifs? J'espère que tu as un plat chaud. Ou des vêtements protégeant du froid. Oui, non, mais un plat chaud. Oui, oui, je suis prêt. Bien. C'est à peu près là où je me suis arrêté. Vraiment. Mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à triompher de Medo? Ah non, si ça, j'ai vu. J'ai dit, ça me révolte. Ça te révolte? Même si, bon, pour Zelda, ça marchait aussi. Alors imagine ce que peut ressentir un guerrier piaf digne de ce nom face à cette situation. Eh bien, soit. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu vas m'emmener. Hein. Bien. On dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe. Voilà, ça, voilà. Ah, c'est bon. J'avais pas fait ça. Je me suis rendu compte avant que le micro il marchait pas. Ouais. Ouais, ça arrive. Écoutez, je m'en suis rendu compte assez vite au final. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Non, si ça. Je sais même pas si le son il a été mis quoi. Non, il n'a pas été mis. Quel enfer. Ça y est, nous y voilà. Pourquoi il n'a pas eu le son? J'étais en mode ah ou. Et le fond vert. Brr, quand je vole à cette altitude, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. Oh, l'OST. Voilà, là il y a une musique. Alors, Vamedo est juste là. Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Eh bien, tu ne dis plus rien? C'est la peur qui te cloue le bec? Allons, revoyons le plan ensemble. On va détruire les canons. Tu vois ces canons? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Dans ce temps, tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Ça va jusque là? Ça a besoin de t'éloigner un peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu restes un mouvement dans un courant ascendant, je pourrais venir te reprendre sur mon dos, tu auras qu'à le demander. Inutile de perdre ton temps à viser la barrière autour de la bête en tout cas. Et quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose. Je veux dire que je me répète, mais c'est primordial. N'oublie pas de te protéger contre le froid. Il dit pas. Je pense. Bon, il dit ça dans tous les cas, hein, mais il dit pas ça du tout parce que. J'ai l'impression que le son du micro est fort. Parce que voilà. Je suis en caleçon quoi. Hein. Bon, ça c'est un détail. Aïe, ah, ouais. Ouais, c'est mieux là. Je pense que c'est mieux. Au niveau du son. Ouais, go. À toi de jouer. Élimine-moi ces canons. Et on y va. Allez, c'est parti. Ok. Ah, il a tanké, hein. Allez, on y va. Ouais. Non, il a pas envie de me rapprocher, visiblement. Il a envie de l'attirer. Hein. Alors, j'aime bien ce qu'il dit. Ouais, si tu restes dans des courants ascendants. Il y a que des courants ascendants, en fait. Allez, au suivant. Ah, ça se tente, en vrai. Oh, alors pas comme ça. Ah, ça a pas marché.
Grâce. Oui, si, c'est bon. Voilà. Encore un et c'est fini. Allez. Hein. Bon, là, on est très très haut. D'ailleurs, on le voit pas trop, mais on est très haut. Voilà. Ah oui, bah, bon. Très bien. On a réussi. La barrière a disparu. Elle m'a eu avec ses tirs de canon. Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. C'est un bon gars, tes barres. Ça va. C'est un bon piaf. Ouais, bon gars, bon piaf. Ok, bon bah voilà, on est arrivé. On va commencer du coup. C'est vrai que je viens juste de réaliser, hein, mais. Parce que c'est vrai que je me rappelais plus que c'était aussi rapide du côté des piafs. Parce que j'ai souvenir. Enfin, en vrai, ouais. Peut-être celui qui est le plus rapide en vrai, hein, maintenant que j'y pense. Ouais, oui, clairement. Donc bon, mais on commence le premier donjon. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Oui, on peut se TP, on peut sortir et rentrer, mais on pourra n'y aller qu'une seule fois par contre. Une fois qu'on aura terminé. Mais qui voilà ? Ce sera fini. Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon. Alors va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Il nous parle un peu mieux quand même là, pour l'instant. Pour l'instant. Voilà à la peu près. Pyramide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Voilà, à peu près. Hein. Évidemment, il tonne juste après. Alors, bon, déjà, tu vas me virer ça. Tu vas me virer cette arc. Ouais, je pense que je vais garder l'arc de l'hirondelle. Hein. Après, c'est vrai que j'ai 40 000 arcs du faucon. Donc, je peux utiliser un arc du faucon plutôt que de l'arc de l'hirondelle. Même si l'arc de l'hirondelle est moins puissant. J'ai un doute s'il n'est pas utile. Donc bon, je sais pas, peut-être que je devrais en vrai je devrais utiliser lui pour l'instant. Dans tous les cas. Ok. Donc ouais, voilà, là, bon, si on veut tous les coffres du donjon, c'est il faut le faire direct, quoi. Voilà, je sais pas si on les fera tous les coffres, mais on essaiera, hein, je pense. Ah. Moi, je veux ça. Saloperie. Allez hop, le cœur d'or qui passe. Des flèches explosives, ça c'est bien. On dit pas non, flèches explosives. Donc voilà, donc les donjons dans Zelda, c'est les créatures divines. Ah oui, c'est vrai. Tiens, bah, photo. Ah oui, non mais toi par contre, t'es une sorte de squelette, c'est à la bombe.
Ah. Oh, il fait froid. C'est vrai qu'il y a le froid à gérer aussi. Alors évidemment, ça, c'est insensible à mes bombes. En fait, j'aurais dû mettre le niveau 1 pour me garder le niveau 2 pour le boss, mais bon. Ah, il me remet un... Oh, oh, pas sympa. Arbre antique, oui, c'est bien. Allez, hop, salut. Ça dégage. Tu veux pas m'en recracher un autre? Non, il est pas chaud pour l'instant. Bon. Ah oui, ok, 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 ok. Cœur antique. Ok. En fait, je réfléchis à par où on passe. Ouais, mais on n'a pas de map pour l'instant. Oui, non, mais en fait, il faut qu'on aille là. Ouais. Ouais, non, mais je me prends la tête pour rien. Il faut qu'on aille là. En fait. Ouais, ouais, salut. Hein. Ouais, bon, d'accord. Je vais être un peu plus chiant. Oh. Ouais, je t'en photo. Non! Mais c'est pas possible! Voilà. Mais mes cœurs jaunes là. Mes cœurs jaunes ils sont partis. Mes cœurs en or. Mes cœurs bleus. Des cœurs bleus. Toujours des cœurs bleus. Tablet Shaker reconnu. Obtention de la carte en cours. Ta 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 ta. Oh oui tiens, ça me fait penser. Vite corriger un truc. Propriétaire. Pourquoi? Ah ouais parce que. Donc là si je fais ça. Voilà. C'est bon. C'est bon, ça marche. Ah oui, ouais, parce que voilà. C'était terrible ça. Même si on les utilise jamais parce que j'ai pas de retour sur ces sons-là quand je joue sur la console, voilà. La carte de la créature divine. Bon. Parfait. Ouais. Alors regarde là. Les points brillants représentent l'emplacement des terminaux de contrôle de Vamedo. Mm-hmm. Si on veut récupérer la créature, il faut tous les activer. Et fais-moi plaisir, essaye de ne pas en oublier. Pas que je n'ai pas confiance en toi, bien sûr. Il est sympa, Révalir. Il est pas pénible. Ah oui, Non. Voilà. Ça me suffit. J'ai pas une épée que je peux... Pas trop... Bon, bah du coup, voilà, il faut qu'on active les différents terminaux. Ça va être une partie de plaisir. Hein ? Oh, il bouge sur cet axe-là ? L'enfer. Ah oui, non, mais attendez. Oui, parce que je peux, voilà, je peux incliner. Je peux incliner la bait. Ah oui, non, mais c'est ça, oui. Après, en fait, du coup, tu t'en fiches. Oui, non, ça y est, I remember now. Ah, c'était pas ouf. Hey. Presque délié. Je pense que si j'avais insisté, ça aurait pu passer. Mais au pire, je fais ça. Hein. Au pire, je passe par là et basta. Hein. Oh, c'est bizarre d'être penché comme ça. Là. Au secours. Voilà. Oh. Il y a la salle bait. Ah, je la connais pas cette tête, voilà. C'est bon, on les a toutes, maintenant, on n'a plus à se soucier de ce truc. Je voulais... Ah mais il est... Oh mais non mais... Oh. Ah il... D'accord. D'accord. Bon, il loot rien, évidemment. Non, c'est vraiment les pires saloperies. Hein. Faut pas chercher. Hein. C'est de la merde. Non, mais... Merci, Link. C'est pas donc chevalier.
écoute, mon espadon de chevalier, il m'a bien servi, hein. Non mais ouvre le coffre. Vraiment l'animation de souffrance de Link. Alors là, c'est pas le meilleur donjon pour Link, hein, il faut bien l'avouer. C'est un donjon où il fait un peu froid, quoi. Alors ça fait quoi? Bon, déjà oui, c'est vrai que je peux mettre ça là-dedans. Voilà. Oh, j'ai cru que je me prenais la bombe. Hein. Ça marche, ça? Non, ça marche pas du tout. Ah, attendez. Ah, mais oui, ok. Ok, ok, ok. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra que j'incline. Hein. Ouais. On va incliner de l'autre côté. Donc, sachant qu'il y a ça, hein. Il y a ça à activer. Mais. Allez, voilà. Hop là. Et là, on fait ça. Et là, on s'aperçoit que c'est hors range. Et donc, il faut qu'on fasse ça. Et ça. Ah, mais il y a le vent. Ah, le problème, c'est qu'il va y avoir le vent. Comme ça. Parce que là, comme ça, il y a le vent. Il faut... En fait, ouais, non, il faut que ça penche comme ça. Hein. Ah, ouais, en fait, c'est... elle s'en fout du vent, elle. Ok. Ok. Oh là là, on a déjà utilisé 5 minutes d'antifroid. Il y en a un autre. Ah bah oui, il y en a deux. Hop là. Ok, donc et de 1. Normalement on va pouvoir faire le deuxième dans la foulée. David Sheka a été reconnu. Terminaux de contrôle. J'ai déjà vu des escargots plus rapides que toi, tu sais. Il est sympa, Révali. Oui, il y a un changement de musique comme ça là d'un coup. Ceci dit, ouais, on m'indique clairement que... En fait, c'est ça qui est un peu perturbant. On a l'air de me dire, regarde, il est là. Ouais, d'accord. Ouais, je crois que je suis mort. Ouais, je suis juste mort. Ouais, je suis juste mort, en fait. Et je reviens là. Allez, on rebascule. Ouais. Non, je suis en train de réfléchir à si je faisais pas une bêtise, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, c'est passe, ça passe. Ça passe, c'est bon. Et après, il va falloir que je réfléchisse. Il reste 3 terminaux de contrôle. Allez, du nerf. Ouais. Donc là, il faut qu'elle soit de l'autre côté. Ou au moins comme ça. Ah, c'était pire. Ah non, mais en fait, il y a un chemin. Oh. Et un autre cœur qui part. Ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Non, mais ça va être par en dessous. Bon, bah du coup, changement de plan. Et on va là. Wow, 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 wow.
Salut. Ah, sérieusement? Ouais, ouais, je me doutais. Je me doutais. Ah, d'accord. Petit coffre. Dix flèches de glace, ça c'est bien. Ça c'est cool. Ah, le vent. Le vent va être une mécanique, justement. Ok. Bah là, si je fais ça comme ça. Ah, sachant que... Ok. Donc là, je maintiens, en fait. Je sais pas trop à quoi ça sert, en fait, ceci dit, ça, mais... D'accord. Ok. Ça servait à ça. Ok. Allez, hop. Il reste deux terminaux de contrôle. Eh, mais c'est que tu en verrais presque le bout. Mhm. Eh ouais. Eh ouais, mon gars. Ça t'étonne, hein. Bon, comment on fait pour aller là? Je me rappelle plus, moi. Je me rappelle plus, moi. Comment on ouvre la porte, là? De l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Là déjà, il y a un truc là-haut. Le problème, c'est que j'aurai jamais assez de hauteur. Ouais. Comment je vais atteindre le coffre de là? Oh, j'ai la flemme. C'est terrible. Non mais par contre. Ça va devenir problématique. Bon, on peut essayer de passer par en bas aussi. Hein. Ça reste une possibilité. Hein. Ou par en haut d'ailleurs. Même si, bon, bah, j'évite les chemins depuis le début. Ça passe, hein. C'est passé. Allez, et là on est bon. Là, on a, ouais, le coffre, on l'a tranquille. Voilà. Ça, au moins. Il était neuf. Il était neuf. Bon. Comment je fais pour ici? À moins que, en fait, j'aurais juste une position où il soit ouvert, le truc. Je vois aucun mécanisme, en fait, mais... C'est ça, le truc. C'est que t'as ça, mais ça, ça servait à ouvrir ça. Là, t'as rien. Là, t'as rien, on voit... Juste, non, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas d'autre... Si! Si, il y a un passage en bas. Ok. Voilà. Tout ce que je voulais savoir. Ah, ok. Voilà. Raté. Non, dans l'autre sens. Ça va aller, Link, tu vas grimper. Voilà. Et hop. Je crois que je suis jamais passé comme ça. Pour le con. Il me semble que j'ai jamais utilisé cette nacelle. Parce que bon, tu peux un peu te débrouiller justement, voilà, en venant de. En te surélevant là. T'as moyen de faire des trucs. Au secours. Je pensais. Allez, 8 minutes. Ça peut le faire. En fait, la porte se désactivera tout simplement
enfin s'ouvrira uniquement quand j'aurai débloqué ce terminal. Il n'y a qu'un seul terminal de contrôle. Allez, tu y es presque. En tout cas, je suis impressionné. Eh bé, calme-toi, hein. Comme toi, tu vas faire quelque chose, hein. Tu vas te faire mal, hein. Allez. Ouais, c'est parti. Quick. Ouais. Ah. Non, parce que... Voilà, ouais, d'accord, il y a des coffres là, ok. Vu. Ok. Parce qu'on veut pas trop escalader par contre. Y a pas un... Ça change juste l'inclinaison de sa tête. Mais alors, mais attends... On va désactiver... Ouais. Super. Cœur antique géant. Ça c'est bien. Ça par contre c'est sympa. Ok, et du coup... On va tenter le grand saut. Hein. Ah vraiment, il y a... Attendez, hein. Je suis obligé. Hein. Ça va me faire reprendre de l'élan, de toute façon. Voilà. C'est bon. Terminaux de contrôle, c'est fait. Ah, tu as activé tous les terminaux de contrôle. Maintenant, il ne reste qu'à actionner l'unité principale. Regarde un peu ta carte. Ouais. Il devrait y avoir un gros point brillant. C'est là que tu vas. C'est pas le moment de t'endormir sur tes lauriers. Ouais. Ouais. Bon. Voilà. Écoutez, en même temps, on n'a pas pris le chemin normal. Alors. Mais ça tombe bien. Moi, ça m'arrange. Peut-être un power kill. Ça peut être un power kill. Moi, je détecte pas de coffre. Hein. Allez, c'est parti. Ombre de vent de Ganon. Allez, c'est parti. Créature de Ganon. Moi, j'ai manqué de vigilance. Pour le premier boss. C'est une erreur qui m'a coûté la vie. Ouais. Ça fait mal de te demander ça. Toi, me venger. Tu m'entends? T'es caté. Attention. T'es caté. Ces tirs sont précis. Alors reste sur tes gardes. Ouais, j'ai envie de lui faire ça. J'ai envie de lui mettre ça dans la gueule. Hein. Oui, c'est ça que je faisais.
Alors, c'était, ça aurait été overkill. Mais... je prends cher. Ah, il est bientôt cassé aussi. Et merde. Il a jamais voulu me mettre sur le bon arc, hein. Ah! Mais non, mais... ah, vraiment, il se réveille à ce moment-là, quoi. Ça sert à rien. Ok. Putain, ce fond vert. Mais non, au secours. T'es rétro. T'es rétro. Allez. Attaqué depuis un angle mort. Allez, c'est parti. Phase 2. Pop des ZAD. Littéralement. Je sais pas si ça sert à... je me rappelle plus si ça sert à quelque chose. Oh là là. Mais putain, mais gr... mais monte! Tout ce que je te demande, c'est de monter! Ça les décale juste. Oh là là. C'est vrai que ça, ça a pas beaucoup de vie, hein. Je sais pas si c'est Squave sur l'ordre dans lequel je l'ai fait. Que j'ai souvenir, vous avez plus de vie que ça. Puis après, je crois que j'arrive à faire des coups critiques miraculeux à chaque fois. Donc, ouais. Oh putain! Eh, re-TP. Qu'est-ce qu'il fait, bordel? Oh, vraiment? Nope. Je me suis dit, vas-y, je tank. Hein. Vas-y, j'ai tanké. Hein. Quelle puissance d'attaque. Voilà. Voilà, en fait. On a 8 cœurs. Toi, unité principale activée, vous sera impossible de retourner à l'intérieur de la créature divine. Voulez-vous l'activer maintenant? Oui, je viens d'y réfléchir et oui. Dans tous les cas, on va partir. Je pense que c'est mieux. Non, cinématique. Chut. Parce qu'au pire, on n'est pas là pour faire un 100% complet du jeu. C'est pas très non. Grave si on rate des trucs. Ne me dis pas que tu as réussi à la vaincre. Est-ce que tu peux être agaçant?
Cela dit, il faut bien avouer que c'est grâce à toi si mon âme a été libérée. J'ai même pu récupérer le contrôle de Medo. Tu t'es bien débrouillé, je dois le reconnaître. Une récompense est de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Revali est maintenant tienne. Je vais maintenant me charger de déplacer Medo et la préparer à notre affrontement contre Ganon. Quand tu seras prêt à le combattre au château d'Hyrule, nous serons tous deux là pour t'aider. Et ne me remercie pas, surtout. Allez, vas-y, je ne te retiens pas. Tu as encore beaucoup à faire, je me trompe. La princesse, cela fait si longtemps qu'elle t'attend. Bon, il a pas un mauvais fond, Revali. Juste un peu casse-couille, quoi. Juste un peu, voilà. Un peu taquin. Un peu taquin, agressif. Voilà. Medo, tu ne pouvais pas choisir meilleur endroit. D'ici, tu ne risques pas de manquer Ganon. Quand le Gringalet l'affrontera, je compte sur toi pour calmer ce monstre d'un coup bien placé. Pour le moment, il nous faut patienter. Ça fait 100 ans. 100 ans qu'on attend ce moment, toi et moi. On n'est plus à ça près, n'est-ce pas ? Je suis bien obligé de reconnaître que je l'avais mal jugé. Il a beau ne pas savoir voler, il est arrivé jusqu'à la créature divine. Et il a réussi là où j'ai misérablement échoué. Je m'incline, Link. Tu as gagné. Tu es notre seul espoir de remporter la victoire. Le pouvoir du prodige Revali permet de créer un courant ascendant qui vous transporte haut dans les airs. Là, voilà, le meilleur spell du truc. Maintenez B enfoncé, puis relâchez-le pour l'activer. Voilà, là, ça y est, là, on a perdu. Là, c'est fini. Là, on fait ça. Alors déjà, on fait ça, aussi. Non, non plus. Mais voilà. Voilà. Ah... Ah mais là au moins, là on va pouvoir jouer au jeu quoi. C'est tout. Ah ouais. Ah c'est fini hein. Pourquoi je monte aussi haut? Ça par contre... Par contre on se le demande vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Tralali, tralala, tralali, lali, lali, lala.
C'est joli, hein. Ça s'appelle hein, le retour du vainqueur du monstre du ciel. Enfin, c'était seulement l'introduction. J'espère que t'as bien aimé. Oi. Oi. Non, de... au secours. Oh. Bon, c'est divine. Quel soulagement de te revoir en vie. Je sais plus quelle voix... J'ai fait une voix de vieux, mais grave, je crois, comme ça. Ah, t'as réussi à calmer Vamedo, n'est-ce pas? Il suffit de la voir posée au sommet du village pour s'en convaincre. Elle a perdu son aspect menaçant. Ah, si la légende dit vrai, la lumière des créatures divines mettra fin au règne du fléau. Vamedo, devenue la protectrice de notre village, entrera dans la légende à tes côtés. Oh, 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 oh. Oh, oh, j'oubliais, je dois t'offrir une récompense digne de ton exploit. N'hésite pas à te servir dans ce coffre. Je ne doute pas d'une seconde que son contenu puisse te révéler utile. Je n'en attendais pas moins de l'héritier du prodige. Tu es le vivant portrait du prodigilien qui s'est battu aux côtés du grand Révali il y a 100 ans. Il te manque que la lame purificatrice. Ah, si tu tenais la lame purificatrice, on pourrait te prendre pour lui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La lame purificatrice, ouais. À ce propos... Je peux pas récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. J'ai pas la place. J'ai pas la place. Et je vais pas jeter ça. Hein. C'est pénible. C'est pénible. Salut. Salut Théba. Imagine que tu as déjà informé le chef. Je dois bien avouer que je n'aurais... n'aurais sans doute jamais pu mettre fin aux agissements de Vamedo tout seul. Je te remercie pour ton aide, sincèrement. De rien. De rien, Brou. Non mais... Bon. Arc de l'aigle. On dit que le grand prodige Révali se battait dans les airs avec cet arc d'une grande rareté. Il était si rapide que personne ne pouvait rivaliser avec lui. 28 fois 3. Non mais je suis obligé en fait, hein. Tant pis. Hein. Tant pis, bon l'arc des Sylvains ça me fait mal au cœur, mais je suis obligé. Ah oui, non mais j'avais oublié que c'était un x3. Je pensais que c'était un 30, moi. 30-0. Bon alors on aurait des quêtes ici, je pense, hein, quand même à faire, mais... Ouais, super. Ouais. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire des quêtes en fait. Je vous avoue, là, j'ai envie de. De me promener dans le jeu. Ou voir de continuer la quête principale en fait, tout simplement. Ou alors. Ou alors, on va aller voir Noya. Mais en fait, quand je vois le temps de l'épisode, je me dis, mais. Mais on est bien. On a fait un épisode, genre, on a fait la créature divine en un épisode. On a tout fait. On a tout fait. Bon, on n'a pas forcément tout fait. Peut-être qu'il manque des coffres. Sûrement, il manque des coffres. Mais, vous voyez, d'ailleurs, on a le symbole là-haut. La créature divine. Voilà. Mais globalement, je veux dire, on a... voilà. On est bien. C'est ça que je veux dire. Mais... enfin, voilà. Genre, je pourrais arrêter l'épisode là, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. On va avancer un peu dans la forêt Korogu. Ça va pas être long. Juste un truc à la forêt. Ensuite, on s'arrête. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Écoutez, voilà. De toute façon, c'est l'avantage de pas le faire en live, ce genre de truc. C'est que je peux pas avoir des gens qui me disent non, fais pas ça. Mais bon, bref. Allez. Oh mais j'ai envie. Tant pis. Bon l'épisode, voilà. Hein, l'épisode. Les bois perdus. Oh l'ambiance qu'il y a dans ces bois. Ah ouais mais il faut une torche. Enfin une torche. Hein? Ouais. Ouais ce son. Ce son me parle beaucoup. Ce son m'a beaucoup hanté au cours de ma découverte du jeu.
Oui, bon, alors l'antifroid. Écoute l'antifroid. C'est pas que je te respecte pas, mais on va prendre ça. On va prendre un truc de vitesse. Bon. Non, c'est plus ça qu'il faudrait que je fasse en réalité. Donc voilà, hein, et vous l'aurez compris, il faut pas trop s'éloigner des torches. Ah mais il y a encore des corbeaux. S'éloigner des torches, c'est un peu le démon. Un peu, hein. Juste un peu. Par contre, là, je suis perdu. Ah oui, non. C'est que les torches indiquent le sens dans lequel il faut aller. Donc là. En plus, on la voit. On les voit. Ouais, c'est là. C'est ici, hein. Ouais. C'est pénible. L'épée de voyageur, il faut que je la garde à cause d'une quête de mort. La baguette électrique, j'ai un doute. Donc, au pire, on va virer la baguette électrique. Au pire, pour choper des baguettes, en vrai, les baguettes, on peut les choper facilement. Donc voilà. Allez, la torche. Donc là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il faut suivre le feu de la torche. Voilà. Juste en faisant gaffe à un truc. Ah ouais, mais ça éteint là. Oh! C'est ça qu'il faut que je fasse. Une lance des sylvains. Ah, c'est bien, mais... Ah ouais, mais du coup, ça me... Oh non. Oh non. Il va focus ce coffre-là. Uniquement ce coffre. Juste coffre. Non. Nope. Ah, c'est chiant. Coup, là il est inutile quoi mon truc. Ah non, c'est bon. Hein? Oh ça me trigger. C'est par là. Oh on va enlever ça. Hein. Ça me rend ouf. Arc des Sylvains. Non. Ouais, mais sauf que là, du coup, ma torche, elle s'est éteinte. Il n'y a rien dans cet arbre. Il n'y a rien dans cet arbre non plus. Moi, je fouille la bouche des arbres. Il est là. Ok. Je vous en avais parlé, hein. Ce masque inspiré de celui qui porte les korogus, se met à vibrer si l'un d'entre eux se cache à proximité. Il s'agit d'un article rare et difficile à se procurer. Alors je vous avoue que voilà, techniquement le plan du coup c'est en fait de faire le jeu comme ça. Hein. Non, moi, dans ma tête, à la base, c'est de faire le jeu comme ça. Bon, là, en l'occurrence, de toute façon, il n'y a pas d'ennemis. Par contre, je suis perdu, hein, sachez-le. Ah, là, il y a un truc. Là-bas, on avait un truc. Ah, oh, si je peux aller tout droit, mais je pourrais jamais aller tout droit. Parce que c'est un jeu de mort. Ça, j'ai jamais compris, ce bruit. Bon, alors, à la base, j'étais juste venu pour le masque Korogu. Mais je pensais pas qu'il était aussi loin. Voilà, on va le porter, voilà, hein, parce qu'il n'y a pas d'ennemis, donc c'est chill. C'est où? C'est par où? Ouais, c'est là. Toujours tout droit. Toujours. C'est là où ça change. Voilà. Mais là, de toute façon, c'est tout droit. Où tu veux que ce soit d'autre?
Où est-ce que tu veux que ce soit à part tout droit? Là, c'est tout droit. Là, c'est tout droit. Là, c'est tout droit. Ouais. Elle est où, la douille? Parce que je me suis fait TP en faisant ça. Ouais, ouais, voilà. Elle est là, la douille. Alors là, du coup, s'il y a des coffres, c'est tentant, mais... ça va éteindre ma torche. Voilà, là, on suit la lignée des flammes. Notre seul but dans la vie, c'est de suivre la ligne de flammes. Ouais, qui prend d'ailleurs un virage à 180 degrés. Oh, le coffre. Oh, non, mais ce coffre, là. Hein? Je pense qu'il y a un coffre là-dedans. Oh, le clipping! Waouh! Ça le fait pas en mode portable. Hein. Ça, je vous assure, je l'ai jamais eu en mode portable. Hein. Genre jamais. Oh. Eh ben non, trop tard! Ah non, c'est bon, j'ai chopé le pigeon commun. Oh, j'aime bien l'ambiance des bois perdus quand même. Hein. Je trouve ça sympa. Hein. Doudou. Ah oui, c'est la forêt du lag ici. Oh, ici, le jeu, il aime pas. De toute façon, je pense que ça doit se voir parce que les secondes doivent plus être des vraies secondes. Forêt Korobo. Tellement le jeu, il lag. Oh là là là. Bon, bah voilà. Ah, mais non. Il fallait pas que je m'approche. Ah non, c'est bon, c'était juste pour dire... Ouais, regarde, il y a un truc, là. Ouais. C'est pas la fluidité, hein. C'est pas la fluidité, hein. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, dans tous les cas. J'espère qu'il vous aura plu. On arrive à la forêt Korogu. Donc, voilà, là, on a notre pote. On a notre pote, il est là. Il est là. Voilà, ben lui, voilà, c'est bon, maintenant on va pouvoir améliorer nos stocks à l'infini, enfin à l'infini, dans la limite justement de des noix Korogu qu'on aura, là on en a 60, donc on a relativement de la marge, sachant qu'il faut que j'améliore tout. Armes, j'aimerais, il faudrait que j'ai au moins 3 lignes, mais en vrai il m'en faudra toujours plus, donc à mon avis ça va être, voilà, j'en aurai toujours besoin de plus. L'arc. Les arcs aussi, les boucliers c'est peut-être le truc où je me dis ouais bon, ouais, les boucliers c'est sympa de les avoir mais genre si je dois changer un bouclier, lui je le change sans problème, lui aussi, vous voyez, et un de ces deux là aussi, donc bon, voilà, non c'est pour ça, les arcs serait bien d'en avoir un peu plus d'espace. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, on se dit à bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, quels sont les challenges, on n'est pas mort. On a fait le donjon sans mourir. Ça, c'est un truc qui me faisait un peu peur aussi. Mais ça va, on aura réussi. Même si on s'est retrouvé à un cœur. On a failli se faire one shot, mais on s'est pas fait one shot. Donc, finalement, j'ai quand même de l'espoir. Hein. Parce que j'avais vraiment peur que ce soit. Enfin, c'est ça qui me faisait peur quand même, c'est que je me dis, mais. Bon, il y aura des mobs qui vont nous one shot. Hein. Je vous préviens, je suis quasiment certain que. Il y a des mobs, ils vont mettre tellement cher qu'ils vont mettre 15-20 coeurs. C'est bien possible donc. Le temps qu'il me one-shot plus, il y aura une... Il y aura du temps. Mais c'est vrai que le fait que tous les mobs, et notamment les boss, ne te one-shot pas forcément, ça c'est bien. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Hein. Mais, on va rigoler à un moment donné. Bon, bref. En tout cas, voilà, je vous dis bien bientôt. Sûrement demain. Possiblement, peut-être. Je pense. Je sais pas encore... Vraiment, l'épisode 1 sort aujourd'hui. Donc voilà. Je sais pas encore combien d'épisodes il y aura par jour, mais j'espère que vous pouvoir vous en mettre au moins un par jour. Ce serait bien. Enfin, par jour. Par semaine, du coup. Mais ce serait bien un par jour. Je pense. Oui, je dis ça, épisode 16, 17, 20. Je sais plus. Mais voilà. En tout cas, on aura fait un sanctuaire. Ça, c'est bien. On va se diriger, je pense, après, vers un prochain sanctuaire. Enfin, sanctuaire, donjon. Vers une prochaine créature divine. Je sais pas encore qui.
En vrai, j'hésite. Ça dépend. Ça dépend dans quelle logique on se met. Si on se met dans la logique de on veut survivre, il y en a un qui serait peut-être mieux. Si on se met dans... Enfin, il y en a deux qui sont... Il y en a deux qui sont bien dans cette logique-là. Il y en a deux qui sont pas mal pour le challenge. Il y en a un qui est pas mal aussi pour autre chose. Ouais. Ah, je sais pas encore. Je sais pas encore chez qui on ira. J'hésite. Voilà, j'avoue, j'hésite entre les Aura et les Gerudo pour l'instant. Les Gorons, ça peut être bien aussi, mais voilà. Mais je sais pas. Soit chez les Aura, soit chez les Gerudo. Donc, créature du lion. Non. Voilà. Voilà, on en a une là. On en a une là. Et on en a une là. Ouais, après, c'est vrai que si je vais... là, c'est les Gerudo. Donc, c'est un peu le plus loin. Ouais. On verra. On verra. Portez-vous bien. Bye bye.